Zéphir Connor, on va demander d'abord pourquoi Kérosène et toi vous êtes séparés et comment. Bon, quand vous parlez de séparation, moi pour moi j'ai jamais appelé ça séparation. Hein. Okay. Lui il a préféré rester, moi je suis rentré, et c'est tout. À ce qu'il paraît, on dit de cacher la toi, tu prenais beaucoup plus que lui. Oui, jamais. Oui. On dit que Kérosène se sentait vraiment lésé. Avec Kérosène, j'ai toujours été correct. Comme ça, correct avec lui. Bon, peut-être c'est affaire de Starmania qui lui faisait mal. Tu étais plus star que lui. Il paraît que tu te mettais en avant. Mais c'est pas moi, c'est pas moi. C'était qui? C'est les gens qui nous voient, c'est les gens qui nous regardent. Mm-hmm. Ils savent quelle place mettre chacun de nous, en fait. Tu n'as pas mangé la lumière de Kérosène comme tu as l'habitude de manger la lumière des autres. Non. Allez, là, si on veut bien voir, c'est Kérosène qui est à la mode. Moi, je suis oui, pas mais la mode. Justement, il mousse maintenant parce qu'il n'est plus avec toi. Je me dis peut-être que c'est ma lumière qui a été mangée. Par qui, Kérosène? On sait jamais. Quand tu vois aujourd'hui Kérosène avec toute cette lumière, toute cette gloire aujourd'hui, tous ces tubes qui l'enchaînent, est-ce que tu n'as pas un pincement au cœur? Attends, excusez-moi. Quand vous me regardez là, je ressemble à quelqu'un qui a faim. La faim, c'est qu'il passe sur le front. Mais voilà. J'arrive à payer ma maison à l'étranger. J'arrive à manger. J'arrive à entretenir ce que je peux entretenir. Ça ne veut rien dire. Bon, à un moment, tu disais que Kérosène t'avait abandonné. Que ben oui, mais oui, je me suis plaint. Je me suis plaint parce que c'est un frère, c'est un ami. Mm-hmm. À l'époque, quand j'étais là, j'ai pu donner la main. Ok. Mais je me disais. Il allait te renvoyer l'ascenseur. Non. Mais même l'ascenseur n'a pas été renvoyé. L'escalier aussi a été bloqué. Bon, parlant des femmes, Zéphir, tout à l'heure, tu as dit non, que toi, tu n'es pas gigolo. Il y a une fille qui a payé ton billet. Non seulement ça, il paraît qu'il y a deux filles qui sont frappées aussi à Paris à cause de toi. Apparemment, Zéphir. Ah, des fallait, tu le sors. Non, Zéphir, tu parles. Attends, Zéphir, même si tu as assis devant qui même. Ça fait partie de ta vie. Il faut qu'on. Attends, Chola, nous, pensez-y, assis devant qui même. Mais non, peut-être que tu as des bengis, tu as les infos. Mais moi, attends, je suis à la base de tout ça là. Toi, tu peux fuir dans ma main, quoi. Mais moi, je suis à Abidjan. Si elle se frappe là-bas, moi, mon problème. Mais qu'est-ce qui s'est passé et puis les filles sont frappées à cause de toi? Moi, je sais une chose, Zéphir. Deux femmes qui se battent pour un homme, soit il y a trop d'âme dans cette histoire, ou bien il a. Eh ben, c'est terrible. Zéphir, ta situation c'est laquelle? Tu as trop d'argent, bien. Hey! Zéphir! Hey! Moi, je suis quelqu'un, je dis jamais à une personne, attends, moi, c'est fini. Non. Tu te retires, je me retire. Non, détends, attention, c'est le bon, on peut se réfranponner. Toi, c'est un gars. Ancien feu, non? C'est ancien feu. Oh. Ancien feu, ça s'allume toujours. Ça, c'est pas correct. C'est pas correct. Qui t'a dit ça? Non, non, mais Zéphir, si tu veux plus de quelqu'un, autant lui dire, je ne veux plus de toi, plus la personne d'avant. C'est ancien feu. Hein? Donc, le feu, c'est le feu chez toi. Donc, quand tu vas repartir à Paris, tu vas aller framponner encore les mères. Je suis attendu même. Fafa. Suivez Fafa tous les samedis à partir de 12h et les dimanches à 17h sur Ivoire TV Musique, numéro 209 des bouquets Canal+ Afrique.